Bonjour à tous, vous regardez Météo à la carte, nous sommes en direct sur France 3, soyez les bienvenus, bonjour Audrey. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 5 mai, le temps du jour, les orages se déclenchent, ils seront nombreux avec une ambiance très nuageuse. Allez, les deux tiers nord du pays avec une météo menaçante et de bonnes averses. Le soleil, lui, plus au sud. Détail dans le journal du temps. On part immédiatement dans l'Hérault où il fait 22 degrés. On va terminer la semaine en beauté, promis. Et oui, ce midi, Météo La Carte vous transporte au Mexique avec une recette qui évoque le soleil, l'été et les vacances. Sébastien et sa mère Carla nous préparent un ceviche de dorade à la mexicaine, mais avec des ingrédients français, bien sûr. Paul-Antoine Ballan vous fait voyager sans quitter votre canapé. Donc on prend un ceviche, un morceau de... D'avocat? Ou elle est belle celle-là? Provecho. Alors? C'est très bon. Émotionne? C'est comme j'aime. Nous sommes à Grabel, à 8 km de Montpellier. Et pourtant, ce midi... Nous vous offrons une escapade au Mexique avec un ceviche coloré réalisé par Sébastien. Alors moi je suis né au Mexique, donc je suis franco-mexicain. Donc aujourd'hui, moi j'essaie d'avoir une résonance pour équilibrer mes plats entre le palais français et le palais mexicain. Donc on va commencer par lever la dorade. C'est très simple, on va lever donc les deux filets. En termes de prix, ça reste quand même un poisson assez accessible. La dorade coûte au minimum 10 euros le kilo. Évidemment, elle sera plus chère si vous n'achetez que des filets plutôt qu'un poisson entier. Et surtout, ce qui est génial quand on achète un poisson entier, c'est qu'on peut utiliser toute la partie du poisson pour faire une petite soupe de poisson ou un petit jus d'arête. Voilà, il est parfait. Il est prêt à être découpé et taillé en petits cubes pour notre ceviche. Pas trop petit, il faut quand même qu'il y ait de la mâche. Connu pour être un plat traditionnel d'Amérique du Sud, le mot « ceviche » viendrait pourtant de l'arabe « sibek », désignant la nourriture acide, en référence au citron dans lequel le poisson marine. Alors là, le citron vert, ça va nous permettre de conserver notre poisson, de le cuire et de ramener du goût. Et là, on y va. On presse avec envie. Je pense que c'est mon moment préféré de cette recette puisque clairement on commence à sentir que l'été arrive. Donc là je suis parti en vacances, là je suis au Mexique. J'y ai passé donc 17 années au Mexique, aux côtés de mes parents, de mes amis. J'ai connu vraiment la gastronomie mexicaine de rue. La grande gastronomie mexicaine également, puisque je suis fils de pâtissier. J'ai tout de suite baigné dedans. Je suis fils également d'une maman qui cuisine très très bien. Le Mexique, on est un pays des traditions illimitées. On est des gens aimables, on est très accueillants, on aime bien la fête, le soleil, la chaleur. La plage, au transat, cocotier, piña colada et margarita. Voilà. Sébastien a quitté le Mexique à 17 ans pour faire ses études en France. Il a rapidement monté ce restaurant atypique et remporté un célèbre jeu télévisé. Il doit sa réussite à la recette de ce ceviche à sa maman Carla. C'est donc en tandem que mère et fils poursuivent en cuisine. Mets-toi de ce côté, maman. Après avoir laissé mariner la dorade une heure au réfrigérateur, Carla ajoute de l'eau pétillante pour casser l'acidité du citron. Enfin, c'est le double de ce qu'on a pressé comme citron, grosso modo. Le chef retire le jus de sa marinade et le réserve. Et là, maman, donc, quelle est la suite? Donc là, on va rajouter tout ce qui est légumes. Il n'y a pas 10 000 ingrédients, il y a l'oignon. Alors, l'oignon, on est avec 3 cuillères, non? Ensuite, les tomates. Et tout est coupé un petit dé. Hein. Il faut pas hésiter, il faut en mettre. Le jalapeño, il faut en mettre, mais alors pas beaucoup, parce que c'est quand même assez relevé. Le jalapeño, c'est le piment le plus consommé au Mexique. Il est classé 1 sur l'échelle de Scoville, mesurant l'intensité des piments. Loin derrière le Carolina Reaper, la faucheuse de Caroline, le piment le plus fort du monde. Alors, ma mère, elle a toujours fait son ceviche avec des olives vertes. Allez me demander pourquoi il n'y a pas d'olives vertes au Mexique, mais pourtant, un jour, il a mis des olives vertes et il se passe quelque chose. Et
il se trouve que j'ai un très grand ami oléiculteur qui s'appelle Félix et qui fait des lucs. Félix, il a un domaine incroyable à 15 minutes de mon restaurant et je pense qu'on va se faire une petite virée pour aller découvrir tout ça ensemble. Salut Félix! Comment il va mon barbu? Salut Sébastien. Alors qu'est-ce que tu fais? On commence à tailler les oliviers. D'accord. Histoire d'aérer un peu les arbres. Comme disent les anciens, ils disaient il faut toujours qu'un oiseau puisse passer dans l'olivier à la fin de la taille. Cette oliveraie, c'est la plus grande de l'Hérault. 30 hectares dédiés à l'olive et notamment à la Luque. Considérée comme la meilleure des olives, produite exclusivement en Languedoc-Roussillon, elle recèle un goût d'avocat beurré et de noisettes fraîches. C'est des olives qui ne sont pas mûres en fait, c'est des olives qu'on ramasse précocement, donc c'est fin août pour les plus précoces et plutôt mi-septembre jusqu'à fin septembre. Je suis tombé amoureux quand j'étais jeune de cet arbre-là, c'était un arbre que mon père avait planté, il avait planté 5-6 hectares, puis au bout d'un moment mon père est décédé, puis c'est moi qui ai repris un peu cette exploitation-là et qui maintenant je me régale, quoi, j'y passe ma vie. Alors moi c'est une des plus belles rencontres dans ma vie. Il va te montrer des choses ou des produits dont tu ne connais pas. J'ai découvert beaucoup de choses par rapport à Félix. Et vous taillez les oliviers, mais la barbe, ça, on n'y touche pas. Ah, la barbe, une fois par an. Comme la taille des oliviers, une fois par an. Une fois récoltées, les olives sont transformées en huile ou juste conservées avant d'être cuisinées par Sébastien et sa maman. Alors, maman, moi, je fais le travail un peu pénible que toi, t'aimes pas faire. Je suis là donc pour t'aider. Donc, en gros, il faut enlever le noyau. On va les hacher. Pas trop finement, il faut quand même qu'il y ait un peu de mâche. Je verse dans ma préparation. Le chef ajoute de la coriandre, puis le duo assaisonne avec de l'huile d'olive, le jus de la marinade et dresse le plat avec de la salade, de l'avocat, avant de se régaler. Ah, c'est fabuleux. Allô? Et merci beaucoup à vous deux pour cet avant-goût d'été. Alors pour tester chez vous ce formidable ceviche, les détails sont à retrouver sur notre site internet. Et bravo Paul-Antoine Ballan. Si aujourd'hui le nom de la famille Peugeot est associé au monde de l'automobile, c'est d'abord celui de la cuisine que les frères ont révolutionné avec la création du moulin à poivre vendu dans le monde entier. Et cela en partie grâce au climat humide du Doubs bien sûr. C'est un objet de votre quotidien, un incontournable des gastronomes et des grands chefs, et pourtant il va vous étonner. Ce petit bout de Franche-Comté, on le vend partout dans le monde. Ce moulin à poivre, célèbre dans le monde entier, est l'une des innovations méconnues des frères Peugeot, incontournables entrepreneurs du 19e siècle, inventeurs hors pair et qui ont révolutionné de nombreux domaines comme l'outillage, la mode ou les arts de la table. Et tout ceci est fabriqué longtemps avant les cycles, qui n'arriveront qu'en 1886, et l'automobile, 1889. Vous allez tout savoir des secrets de cet objet mythique, alliance du savoir-faire, de l'acier et du bois, soumis aux aléas climatiques au cœur d'une entreprise du patrimoine vivant, installée dans le Doubs depuis 210 ans. Bienvenue en Franche-Comté, à une vingtaine de kilomètres de Besançon, où l'on fabrique des moulins à poivre depuis 150 ans. On a un moulin qui est apparu en 1874, et qui ressemblait à peu près à ça. Les frères Peugeot, à l'époque, ont inventé un mécanisme génial. Et ça, c'est devenu finalement la référence de toute l'industrie moderne aujourd'hui. On a été vraiment les pionniers et on l'est toujours. Et pour habiller cet ingénieux mécanisme, l'entreprise se tourne naturellement vers l'une des richesses de la région, le bois de hêtre, aujourd'hui menacé par 3 années de sécheresse. Tout commence donc avec un simple morceau de bois. C'est chez Olivier, à quelques kilomètres de l'atelier, que Sébastien vient s'approvisionner. Salut Olivier. Ah Sébastien, ça va? Ça va et vous? Belle pièce, hein? Oui. Pas fondue? Non, ouais, pas de fente. Il est magnifique ce bois, franchement c'est le meilleur de la région. Le bois sélectionné par Olivier pousse dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de la Syrie. Un bois local, coupé à l'automne et séché avec soin à l'abri du soleil. Vous voyez Sébastien, on laisse un vide d'air entre les piles de façon à ce que l'air puisse circuler et que les bois sèchent au mieux. Ça nous évite tout problème de moisissure ou autre souci pour la suite, quoi. On stocke les bois au nord, de façon à ce qu'il n'y ait pas le soleil la journée dessus. Le bois doit être ventilé, mais surtout pas trop de soleil sur le bois, parce que là, on a des problèmes de fente après.
Et ce n'est pas un hasard si on sélectionne des hêtres qui ont poussé dans les plaines de la région. Car pour faire un beau moulin à poivre, l'entreprise a besoin de bois tendre et non de bois d'altitude, plus dur en raison du froid. Il se travaille bien quand il est bien préparé par Olivier. Justement, il ne faut pas qu'il soit trop sec ni trop humide, etc. Et on va avoir de bons résultats au niveau qualitatif. Parce que nos moulins, ils sont faits pour durer dans le temps, ils sont faits pour durer une vie. Direction l'atelier, où le savoir-faire de cette entreprise bicentenaire se met en œuvre. Ça va, Michel ? Ça se passe bien ? Ouais, ça va, impeccable. Tout commence dans la tournerie, l'une des plus grandes d'Europe, où 20 000 moulins à poivre sont sculptés chaque jour. La qualité du bois est essentielle pour qu'on tourne bien, pour qu'on travaille bien. C'est une matière vivante, le bois. Il réagit à la chaleur, il réagit à l'humidité. Et justement, pour maintenir une hydrométrie constante, l'entreprise a tout prévu. Donc on a de la vaporisation d'eau dans les ateliers qui permet de conserver ce niveau d'humidité. La semaine dernière, il faisait très très chaud dans la région. Ça fonctionnait en permanence. Et à des périodes plus humides, bon, ça nous arrive rarement, il y a toujours du soleil ici, hein. Et en période plus humide, forcément, il y aura moins de vaporisation d'eau. Et pour protéger le bois, on applique sur chaque moulin à poivre de la peinture et du vernis. Maintenant, on va s'intéresser à l'intérieur du moulin, le mécanisme, l'âme. À l'intérieur, on trouve donc un mécanisme inventé par les frères Peugeot. L'histoire commence en 1810, lorsque Jean-Pierre et Jean-Frédéric transforment le moulin hydraulique familial en une aciérie. Avec cet acier, ils se lancent dans la fabrication d'objets très divers, comme des lames de scie ou encore des accessoires de mode, tels que la crinoline. En 1840, Peugeot va donc commencer à produire des moulins à café. Une fois qu'on va maîtriser ce mécanisme du moulin à café, on va le décliner. Dans un premier temps, les moulins à grains, puis les moulins à poivre. Pourquoi ? Parce qu'on maîtrise tellement bien le mécanisme qu'on va pouvoir le réduire. Et le réduire à tel point qu'on va pouvoir créer les fameuses poivrières. En 1886, la famille se lance dans la fabrication du cycle. Et en 1889, Armand Peugeot présente la première automobile de la marque. À ce moment-là, le petit moulin à poivre a déjà envoûté le monde entier grâce à son ingénieux mécanisme. Mais là, on voit bien ce qui va se passer à l'intérieur du moulin. Le grain de poivre va être d'abord concassé dans les dents les plus grosses et ensuite les moudres dans les dents les plus petites. Et c'est réglable. Donc, quand on a une mouture très fine, on dégage le piquant du poivre. Et quand on a une mouture plus grossière, on dégage la saveur. Voilà le secret qui a presque 200 ans de ce produit magique autour du monde. Présent aujourd'hui sur les tables de plus de 80 pays, ce moulin à poivre fait évidemment la fierté de tous les ouvriers qui le fabriquent. On est fiers de ce qu'on fait et on est fiers, encore une fois, de pouvoir exporter ce savoir-faire, ce petit bout de région française. Et je pense qu'on est tous ravis de voir les produits qui sont sortis de cette usine sur une table, dans un restaurant ou chez des amis. Une fierté bien légitime, puisque même un célébrissime romancier anglais aurait fait un petit clin d'œil à cette invention mythique. Dans le livre de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, sur la table du Chapelier Fou, il y aurait une machine à broyer le poivre. Or, à l'époque, les seuls qui avaient la technologie pour pouvoir moudre le poivre de façon fine, eh bien, c'était Peugeot. Donc, on est content de savoir que sur la table du Chapelier Fou, il y avait peut-être un moulin à poivre Peugeot. Mais certainement. Rencontre à présent avec un homme qui a la tête dans les étoiles. Cyril est l'unique chef étoilé de Lozère. Il est d'ailleurs l'un des quatre cuisiniers à avoir décroché une seconde étoile cette année. Ce prodige des fourneaux a ouvert à Maëva de Froyenne les portes de sa cuisine pour lui confier les secrets de sa réussite et ses astuces pour sublimer vos plats printaniers. Vous êtes dans ma maison, à laquelle je suis né, à Aumont-Aubrac, en Lozère. Voici Cyril Atrazic. Il est le seul chef étoilé de son département et sa cuisine a été récompensée il y a quelques semaines d'une seconde étoile au fameux guide rouge. Ils ne sont que quatre en France à avoir obtenu cette distinction en 2023. J'ai toujours su que mon avenir, il était dans ma maison. C'était loin d'être facile au début. L'idée, c'était surtout d'exister, quoi. Voilà, d'exister sur un territoire avec, dans un département de 75 000 habitants. La Lozère est le département le moins peuplé de France. Le Nord, le plus peuplé, compte en comparaison plus de 2 600 000 habitants. Mais cette région et ses producteurs, Cyril y est très attaché. Cette deuxième étoile, je leur en dois beaucoup. C'est un ancrage dans le territoire. Il est fort, quoi. C'est ça aussi, je pense, qui a permis
d'avoir cette deuxième étoile. Quoi. En fait, ça se ressent dans l'assiette. Nous avons eu la chance de passer une journée avec lui pour parler de son parcours et de ses secrets et astuces pour préparer une pièce de bœuf étoilée. Et croyez-nous, ça vaut le détour. Sa deuxième étoile, Cyril la doit notamment à son travail autour de la viande de bœuf. Et là, on est sur un morceau de basse-côte. Au niveau de l'aspect, on est déjà sur une viande vraiment, vraiment rouge, donc d'une belle qualité. Et puis avec un engraissement intramusculaire qui nous satisfait. Aujourd'hui, le monde de la cuisine a tendance à se végétaliser. Et donc l'idée, moi, c'était de me recentrer un petit peu sur l'endroit dans lequel je me trouve, sur mes origines. Et c'est vrai que l'Aubrac, c'est quand même avant tout un territoire d'élevage, de micro-exploitation. Nous sommes sur le territoire d'une race locale très consommée en France, l'Aubrac. Reconnaissable à sa robe fauve et principalement élevée dans le Cantal, l'Aveyron et la Lozère. Ouais. En forme ou quoi ? Ouais. Ouais. Hein, quoi ? Ouais. On est chez les cousins par alliance. Ben, on est ici parce que les cousins, ils travaillent un petit peu sur les bœufs castrés. Les cousins, ce sont Patrice et Olivier. Ensemble, ils ont remis au goût du jour une façon très particulière et rare d'élever leur bœuf. Ben, en France, aujourd'hui, de coutume, c'est plutôt de la femelle. On mange beaucoup de génisse de boucherie ou de la vache de réforme. Et en fait, tous les mâles, ils vont plutôt sur l'Italie ou l'exportation en Algérie, etc. Castrer le mâle, ça permet d'avoir de la viande plus tendre, plus ferme et qui fait plus de persillé. Voilà, puis c'est des bêtes, c'est des bœufs, donc ils n'ont jamais vélé, donc ils ont des muscles qui sont beaucoup moins étirés vers le bas. Par contre, c'est une viande qui est aussi peut-être un peu plus ferme. Si on n'avait pas mis ça en place ensemble, je ne suis pas sûr qu'une deuxième étoile brillerait au-dessus du restaurant aujourd'hui. Quoi. Un beau pays, hein. À nous d'entretenir notre pays aussi, quoi. Voilà, on est là pour ça, quelque part. Hein. Bah après, c'est la famille, en plus, moi, ça m'émeut tout le temps un peu. L'histoire, elle est belle, que si elle est partagée, quoi. La famille, c'est aussi la raison d'être de l'établissement de Cyril. Je représente la quatrième génération ici, donc c'est mes arrière-grands-parents qui ont commencé en 1928. Ma grand-mère a vendu la petite affaire de famille et a traversé la Nationale, qui était juste en face, qui a acheté un pré et qui a bâti deux bâtiments physiquement séparés, un hôtel, un restaurant. Voilà. Elle, son rêve, c'était de vivre au milieu de ses petits-enfants. Son rêve a été exaucé. Aujourd'hui, Cyril travaille chaque jour pour perpétuer un héritage à son image. On a une cuisine d'anticipation, hein, puisque un bœuf aujourd'hui, ça met 3 ans. Hein. C'est aussi sur les produits, c'est-à-dire qu'on ramasse, on fermente, on oxyde, on déshydrate. Je suis à l'opposé de la cuisine de marché, en fait. Je suis plutôt dans la cuisine que pouvaient le pratiquer peut-être auparavant les personnes qui vivaient sur ce territoire, c'est-à-dire avec des hivers longs. Pour cuire son bœuf d'exception, Cyril a une méthode bien à lui. C'est vraiment le cœur de côte de bœuf. On va le tailler pour extraire un petit peu ce dont on a besoin. On va le mettre dans une ambiance à 50 degrés. Une étape essentielle pour préparer une viande saisie uniformément. Je vais commencer à mettre la matière grasse qui va monter en température. Ensuite, je vais assaisonner le bœuf sur les 4 faces. Donc, on va mettre la viande à saisir. Et après, une fois qu'on a marqué, on va enrichir un petit peu avec du beurre. On va mettre notre pièce de bœuf dans le barbecue. Et ensuite, on va prendre un peu de foin. Alors ça, c'est du foin que me donnent des cousins là-bas. Et à ce stade-là, on peut attaquer le montage de notre assiette. Donc on va retrouver toute l'alimentation du bœuf jusqu'à aujourd'hui, quoi. Là, on est en train de cuisiner quelque chose qui a une histoire. Et c'est tout ça qui est intéressant pour moi. Raconter des histoires, raconter un terroir, Cyril ne se lassera jamais de faire rayonner son beau département de la Lozère. C'est la volonté aussi de pouvoir exister à l'endroit où on se trouve. La cuisine, c'est un moyen d'expression. La Bretagne maintenant, où les toits de chaume qui sont superbes, eh bien, ils font leur grand retour depuis quelques années, Laurent. Oui, leur avantage, supporter autant la pluie que le soleil. Et en plus, ils permettent aux maisons de rester fraîches en été. Bref, un toit idéal avec les températures qui montent en ce moment. Quand j'ai eu cette maison, je me suis dit, c'est ici que je vais trouver mon bonheur. Ce toit de chaume, il vous parle toute la journée. Quand il pleut, vous n'entendez pas le bruit de la pluie. Et après, le soleil arrive, et là, vous entendez des petits craquettements. Et là, vous avez l'impression que le chaume vous dit, ça y est, il fait bon, tu peux sortir, je me sèche, viens, profite de ta journée. Réputés pour leur charme fou et leur fort pouvoir isolant, les chaumières sont l'un des emblèmes du patrimoine du pays d'Auray, dans le golfe du Morbihan.
Aujourd'hui, on en dénombre une centaine seulement. Mais on les voit de plus en plus faire leur grand retour dans les villages. Ah, quand je suis en haut, moi je suis comme un poisson dans l'eau. Voici donc Jérôme. Il est l'un des tout derniers artisans chaumiers du Golfe à maîtriser ce savoir. Il est tombé amoureux du métier il y a 14 ans. On a modernisé un peu le métier de chaumier, qui est très physique. Il y a beaucoup de manutention. Pas avoir le vertige non plus. Hein. Le principe de la couverture en chaume, c'est du recouvrement. Le roseau est posé à même la charpente. Les rangs sont superposés du bas jusqu'en haut. Et l'eau s'écoule ensuite de bout de roseau en bout de roseau jusqu'en bas. Il n'y a que les deux premiers centimètres qui sont mouillés. Et donc l'avantage du roseau, c'est qu'il a des pouvoirs extrêmement isolants. Là, on couvre à 40-45 cm d'épaisseur. Ça équivaut à 25 cm de laine de verre. Il y a aussi l'inertie qui est beaucoup plus importante que la laine de verre. La chaleur met 6 fois plus de temps à pénétrer dans la maison avec une couverture en chaume que si c'était une couverture traditionnelle. C'est vrai que l'été, il fait frais dans les chaumières et il fait chaud l'hiver. C'est vraiment un confort. Historiquement, le chaumier utilisait la technique normande, consistant à installer la paille de seigle ou de blé de bas en haut. Depuis l'avènement du roseau dans les années 70, on utilise la technique hollandaise ou méthode à la barre avec une pose à l'horizontale. Alors là, je pose le rang de roseau, j'utilise des crémaillères. Donc on voit bien l'écran qu'il y a dessus. C'est pour tenir les bottes le temps de les façonner. Donc c'est là qu'on va lui donner la pente. Tout se fait à l'œil. On n'a pas de cordeau, on n'a pas de traçage. Donc là, pour le coup, il faut avoir le compas dans l'œil. C'est vraiment un métier de passion. Et puis je pense que quand on fait des métiers comme ça, il faut être passionné. Si on veut bien le faire dans les règles, etc., c'est du patrimoine, c'est vraiment des valeurs, quoi. Et puis travailler dans des cadres comme ça, à la campagne, au calme, c'est un plaisir. Un métier devenu rare dont il confie les secrets à Dimitri, son jeune apprenti, depuis 5 ans. C'est important de le transmettre, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'école. Si personne ne le fait, dans quelques années, il n'y aura plus de chaumier. Et qui dit plus de chaumier, plus de chaumière. Un toit de chaume a une durée de vie de 35 ans, à condition de l'entretenir régulièrement. Si aujourd'hui, le chaume revient au goût du jour pour habiller les maisons cossues, il était au 19e siècle un revêtement rural à caractère agricole et plutôt modeste. Les gens, pour la plupart, dans l'arrière-pays, étaient des paysans et ils vivaient avec ce qu'ils avaient autour d'eux. Qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient de la pierre, il y en a plein en Bretagne. Ils avaient du bois et pour la couverture, il leur fallait un matériau, ce qu'ils avaient sous la main. Ils ont assez vite choisi de mettre du seigle sur leur toiture et de cultiver chaque année un lopin de seigle pour pouvoir réparer un morceau de leur toiture. Morgane et Pierre sont tous les deux passionnés de chaumière. Ils s'attachent à faire perdurer les savoir-faire chaumiers qui englobent à la fois les techniques de pose, mais aussi la culture, la coupe et la conservation du roseau. Au début du siècle précédent, les maisons bourgeoises étaient forcément couvertes d'ardoises. Donc le paysan, par fierté, il avait tendance à dire « mais moi je veux une maison en ardoise ». Ils se sont rendus compte après que finalement la tradition avait du bon, que peut-être les ardoises sous le soleil, ça chauffe. Donc les paysans qui sont un peu sortis de leurs conditions maintenant ont tendance à dire « mais finalement, c'était pas si mal. On veut pas vivre comme avant, mais essayons de voir ce qui était bon avant. » Les habitants sont très attachés au patrimoine local, à l'histoire du territoire. Il y a un besoin de reconnexion aux racines. Et c'est du circuit court, c'est des matériaux écologiques, biosourcés. Ça dit beaucoup de qui on est aujourd'hui. Les savoir-faire chaumiers du golfe du Morbihan sont même reconnus par le patrimoine culturel immatériel. Martine et Thierry, propriétaires d'une chaumière depuis 45 ans, ne s'en sépareraient pour rien au monde. J'entends souvent les gens qui utilisent les sentiers côtiers autour du golfe du Morbihan. La majorité des gens sont des touristes et disent oh, « qu'est-ce que c'est beau ce toit de chaume, qu'est-ce que c'est beau !» Et regarde cette petite chaumière. Alors on est un peu fiers quand même. C'est notre nid d'amour. On a beau partir aux quatre coins du monde, mais on est content de revenir ici et de retrouver notre maison. On se bat tous les deux pour maintenir cet esprit chaume, hein, à tout prix. Alors surtout, si vous êtes de passage en Bretagne, n'hésitez pas à parcourir les villages à la recherche de ces petits trésors de notre architecture. Allez, une diagonale maintenant, changement de sujet. On part vers les Alpes-Maritimes. La commune de Sainte-Maxime importe du sable pour renforcer l'une de ses plages pour faire face à l'érosion de son littoral. Les explications avec nos équipes de France 3 Régions. Dans le Var, à l'embouchure du fleuve Préconil,
Les pelleteuses s'activent pour prélever 3000 mètres cubes de sable qui seront ensuite transportés sur cette plage de Sainte-Maxime. Donc ça, c'est le sable qu'on a été retiré du préconil. On va s'en servir dans un premier temps pour niveler la zone avant de poser l'ouvrage. Et ensuite, il va remplir les tubes qui constitueront eux-mêmes l'ouvrage. Des tubes, ou plutôt des géotubes. Comme ici à Cannes ou à Sète, ce système existe déjà. Il permet de lutter contre l'érosion côtière. Il y a un câble qui vient là et un câble qui part là-bas. L'ouvrage que l'on va construire, c'est un récif artificiel constitué de géotubes. Donc positionné à 80 mètres du bord et il va faire 40 mètres de long. Le principe, c'est de faire déferler les vagues pour diminuer son énergie et que les vagues qui passent par-dessus arrivent avec moins de force à la côte. Arrivées avec moins de force, ces vagues emporteront donc moins de sable, ce qui les empêchera de gagner du terrain sur la plage. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de l'opération. On a connu dans ce secteur une plage qui était beaucoup plus large. Et si on ne fait rien, eh bien vous voyez, encore aujourd'hui il fait beau, mais il y a des jours où il n'y a plus de plage. Et ce phénomène tend à s'accélérer et à rester constant. Et c'est tout l'engagement qu'on a pris d'essayer de lutter contre ça. Les travaux doivent durer jusqu'à début juin, mais les experts sont unanimes, il en faudra plus pour préserver ce littoral fragilisé afin que tout le monde puisse encore longuement en profiter. Et en ce vendredi, veille de week-end prolongé, il est temps de découvrir toutes les activités loisirs sélectionnées par nos équipes de France 3 Régions. En extérieur ou en intérieur, vous aurez l'embarras du choix. Ce week-end, direction la Hollande, enfin presque. En Haute-Vienne, la tulipe est reine et tout le monde peut venir se faire plaisir. La cueillette est accessible contre quelques pièces de monnaie. Ça fait du bien quand on se promène dans les tulipes. En plus, on pense plus à autre chose. C'est vraiment très bien, quoi. Cultivées sans traitement chimique, elles font craquer les gens de la région Limousine, mais aussi les touristes. Il me semble que c'est un projet intéressant, assez innovant pour la région. Je pense que cela peut amener des touristes et c'est important. Les tulipes sont synonymes de nouveau départ ou de fertilité. Une fois cueillies, les bouquets durent entre 5 et 8 jours. À Maubeuge, dans le Nord, la Joconde se dévoile dans une exposition immersive. C'est une autre façon de découvrir l'œuvre. Et puis ça permet aussi de faire un peu vagabonder son imagination. La fascinante Mona Lisa y livre ses énigmatiques facettes. C'est l'occasion de redécouvrir avec cette exposition pourquoi au XVIe siècle la Joconde a été une innovation artistique avec cette manière plus humaine de représenter Mona Lisa qui se tourne vers le public, qui le regarde, qui esquisse ce sourire. À l'aide de ces tablettes interactives, petits et grands découvrent les 500 ans de l'histoire rocambolesque de l'œuvre de Léonard de Vinci. Et si vous enfiliez vos bottes et vos cirés ce week-end pour une promenade haute en couleurs dans la forêt de Villers-le-Lac, dans le Doubs. 52 clichés jalonnent un parcours sur 2 km. J'ai toujours un appareil photo dans la voiture. Et donc là, c'est vrai qu'il y avait un coucher de soleil qui devenait de plus en plus joli. J'ai aussi remarqué qu'il y avait un petit croissant de lune qui est en train de se former. Donc je me suis arrêté au bord de la route et puis j'ai pris cette photo. Au programme paysage du Jura, du Doubs et de la Suisse voisine. Enfin, bonne nouvelle pour les amateurs du patrimoine savoyard, le musée savoisien Chambéry vient tout juste de rouvrir ses portes. Un lieu unique, avec cette incroyable collection de chalets miniatures, offerte par un généreux donateur. J'en ai donné 103, mais avec, il y avait des bas-reliefs, il y avait des boîtes, tout ce qui tourne autour du chalet, c'est vraiment une récompense. Des costumes d'époque, aux mythiques stations de ski, offrez-vous un voyage dans l'histoire alpine avec plus de 2000 objets. On enchaîne avec un incroyable lieu, la manufacture où sont tissés les tapis qui décorent les hauts lieux, les sols des hauts lieux de la République. Véritable chef-d'œuvre, ces pièces de collection ne feront pas de tapisserie. Ils finiront leur vie à l'Élysée ou dans des ambassades. C'est à Lodève, dans l'Hérault, que sont fabriquées ces pures merveilles. La visite de ce lieu atypique, c'est tout de suite. C'est une matière très très riche, le tapis.
c'est un plaisir de travailler sur ce genre d'œuvre. Sachant que ça peut aller justement représenter la France dans les ambassades, Matignon, l'Élysée ou des organismes d'État. Donc c'est une fierté même pour nous de savoir que ces œuvres seront vues par un grand nombre de personnes. Nous sommes à Lodève, ville ensoleillée de l'Hérault à 45 minutes de Montpellier. Ici, au fil des saisons, on tisse un savoir-faire ancestral, emblème de notre patrimoine français, inventé pour nous protéger de la fraîcheur des sols et réputé dans le monde entier. Cet atelier appartient à l'État et ses tapis seront foulés par les plus grands noms. Voilà, ici, nous sommes très fiers parce que c'est un tapis qui est placé à l'Élysée actuellement, sous les pieds de notre président. C'est vraiment une belle fierté. Jean-Marc est responsable du site depuis 4 ans. Cet atelier fait partie d'une manufacture au nom particulier, la Manufacture de la Savonnerie, née au XVIIe siècle à Paris, sous l'impulsion de Louis XIII. Il achète une ancienne savonnerie au bas de la colline Chaillot à Paris et ils enlèvent les machines à savon, ils mettent des métiers à tisser dans ce lieu. Et dans le quartier, ça gardait le nom de savonnerie. Et de tout temps, voilà, on a perpétué ce nom de savonnerie. La savonnerie de Lodève est quant à elle créée bien plus tard en 1964, après la guerre d'Algérie. Les Harkis se réfugient alors en France. On savait que leurs femmes avaient une connaissance du tapis. Et donc, André Le Malraux, à l'époque, a dit, voilà, on va essayer de porter une aide à ces familles et créer une annexe de la savonnerie à Paris, sur l'Odève. 17 femmes tissent ces fils de laine en s'aidant du soleil qui pénètre par les grandes vitres de l'atelier, mais en tissant toujours dos au soleil. On les appelle les lissières, un mot qui a pour origine les lys, ces fils blancs verticaux présents sur chaque métier à tisser. Je passe derrière le fil avant, je sélectionne le fil arrière, je tourne autour et hop, je descends la boucle avec le doigt. Si l'air est humide ou s'il est sec, la chaîne va être ou détendue ou tendue puisque c'est une matière animale. S'il fait sec, elle va se tendre et si c'est humide, elle va se détendre un peu. Marie-Hélène fait ce métier depuis 35 ans. Aujourd'hui, elle réalise une œuvre moderne d'une célèbre artiste libanaise. Car chaque tapis est à l'origine le dessin d'un artiste. Les lissières doivent ensuite l'adapter pour qu'il puisse être tissé. Elles en choisissent chaque nuance de couleur avec attention et donc chaque fil. Alors ce morceau de bois s'appelle une broche et il nous permet de confectionner le point. Alors on va mettre jusqu'à 5 brins de laine sur cette broche. Ça peut être 5 brins de laine différents en fonction du mélange qu'on veut obtenir. Et le mélange des couleurs se fait sur un rouet. Pour ceux qui ont lu les contes, c'est un peu dans La Belle au bois dormant, c'est le rouet qui sert à faire la laine. Une quenouille, normalement, il n'y a pas de partie métallique. Je pense que c'est une interprétation un peu. C'est un outil en bois, normalement, on ne se pique pas. Et puis dormir 100 ans, ça fait beaucoup quand même. Pour nos lissières, chaque tapis représente une tranche de vie. Il faut compter 2 à 7 ans de travail pour une seule œuvre. Mesdames, messieurs, merci d'être avec nous par cette belle matinée ensoleillée. Et chaque tombée de métier est un événement qui réunit beaucoup de monde. En fait, nous, on découvre le tapis en même temps que vous, parce qu'on ne voit que des morceaux de tapis. Et là, c'est un tapis qu'on va voir naître avec vous. Vous avez le trac alors, hein ? Vous avez le trac du coup. Et pour faire naître le tapis, la coupe des lys est réservée aux lissières qui passent à l'action une dernière fois. Quand il est au sol, elles ont le privilège de pouvoir marcher quelques instants dessus. Et là, c'est une réussite. On a vraiment l'impression que le tapis a été fait d'un coup de crayon, juste tracé au sol, alors que ça a nécessité des années de travail. Un atelier qui reçoit régulièrement de jeunes stagiaires et qui permet ainsi de conserver ce patrimoine unique. Combien de métiers ont disparu parce qu'il n'y a pas cette transmission ? Et c'est vrai que si la manufacture de la savonnerie et Paris et l'Odève n'existaient pas, effectivement, il n'y a plus d'endroit en France où on fabrique des tapis de cette qualité. Et nous partons tous ensemble maintenant dans le sud-ouest où chaque année la récolte de l'ail et des oignons se déroule au printemps. Deux produits typiques de la région qui agrémentent à merveille vos plats et salades de saison. Des saveurs douces et presque sucrées qui se cuisinent forcément de mille façons. Thank you.
Dans le sud-ouest, le printemps se dit aillet. Hop. Cette version jeune, parfumée et douce de l'ail est avec l'oignon nouveau la plante qui symbolise le mois de mai. Les jours qui rallongent et les températures qui radoucissent. C'est même devenu un dicton populaire. C'est une tradition un peu. Le 1er mai, si on a de l'ail, c'est de l'argent toute l'année. Johan est le chef du Petit Moulin à Martel, un village médiéval à 30 km au sud de Brive-la-Gaillarde. L'aillet et l'oignon nouveau, ça stimule sa créativité. Traditionnellement, dans le sud-ouest, de nombreuses fêtes de village célèbrent ce produit frais et vert. Par chez moi, dans le Périgord, on fait des omelettes géantes au 1er mai. Pas d'omelette géante cette fois, mais avec seulement 3 œufs, on peut déjà faire des miracles. D'abord, il émince une branche d'aillet en entier, car tout se mange, du blanc au vert. On est sur un goût assez fraîcheur, un peu comme l'ail, mais beaucoup moins fort. Le tout va revenir dans une poêle bien chaude, assaisonnée avec une huile verte de sa propre composition. C'est une huile que j'ai infusée avec le vert d'aillet, avec lequel j'ai mixé. J'ai pris une huile neutre, huile de pépins de raisin, par exemple. Et pour avoir une omelette bien baveuse, on coupe tout de suite le feu. C'est la chaleur de la poêle qui va continuer à cuire les œufs battus. Pour être sûr de bien déguster l'aillet et l'oignon nouveau, on peut faire confiance à Johan. Et pour être sûr d'avoir de bons produits, nous nous sommes rendus à Souillac, dans le Lot, à 15 km du village de notre chef. Voici Christophe, son épouse Nathalie et leur fils Rémi. Ici, on récolte en famille. Je m'occupe principalement du maraîchage, de la production, de la mise en place. Je ramasse avec lui, surtout l'hiver, quand on n'a plus d'employés. Et bien moi, j'aide mes parents et surtout mon père pour ramasser les légumes. Voilà, l'ail, en fait, c'est ça, vous voyez. Vous avez la future gousse d'ail. Si vous le laissez pousser, ça va vous faire une gousse d'ail, comme ça, à peu près. Ou après, vous laissez sécher un ail sec. Vous consommez de la gousse jusque-là, à peu près. Voilà. Voilà, il faut savoir que l'ail, on récolte ça du mois de février sous tunnel jusqu'au mois de mai, en plein champ. Et l'oignon blanc, on commence à récolter ça dehors au mois d'avril et on peut récolter jusqu'au mois de septembre, voilà, dehors. La famille Le Hénanf fait du maraîchage à Souillac depuis 15 ans. La vallée de la Dordogne offre des conditions idéales pour la culture des légumes. Environ 150 jours de pluie par an pour 2000 heures de soleil. Les températures douces de l'hiver et le coup de gel d'avril n'ont pas épargné la région. Mais Christophe a pu sauver son exploitation. Un arboriculteur, il a une ou deux productions. Donc le problème, c'est quand il arrive une catastrophe comme ça, c'est compliqué pour se relever. Nous, si vous voulez, on fait au moins une trentaine de cultures. Donc on est vachement diversifié. Donc on peut se permettre de louper une culture ou deux pour se rattraper sur les autres. L'aillet et l'oignon nouveau, c'est bon pour la santé. Il n'y a qu'à regarder la carrure des hommes de la famille. Même si on se doute que le rugby doit aussi y être pour quelque chose. On y a passé quelques années sur le terrain. Moi, j'y ai passé 15 ans. Maintenant, la suite, elle est à côté. Mais pour Cécile, nutritionniste à Brive-la-Gaillarde... Bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de récolter ? On est en train de ramasser des paquets d'oignons blancs, voilà. Qu'on a ramassé un petit peu parce qu'on n'en a plus du tout. Tous ces trésors de saison sont particulièrement bons à consommer en ce moment. C'est des condiments et des aromates qui sont couramment utilisés comme tels, mais qui auraient leur place comme légumes à part entière. Toute cette famille des aliacées a cette caractéristique de contenir des composés sulfurés qui donnent cette saveur et ce goût et cette odeur aussi particulière et qui confèrent aussi les propriétés santé. C'est oignons, ail, échalotes, ciboules, ciboulettes, poireaux. En phytothérapie, là, il a montré qu'il avait plein de vertus. Hein. Antimicrobiens, hypocholestérolémiens, antioxydants, anti-inflammatoires. Voilà, il limiterait les facteurs de risque contre certains cancers digestifs, d'ailleurs. Dans l'oignon, on aura aussi des composés soufrés qui auront les mêmes bénéfices santé, sauf que l'oignon, il contient plus d'eau, en fait. Donc les molécules actives sont plus diluées. Comme quoi, notre famille, en mangeant de l'aillet et des oignons nouveaux, prenait soin de sa santé sans le savoir, et tout en se faisant plaisir. L'aillet, là où ça peut être très 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 bon, c'est en vinaigrette. Vous mettez ça sur de l'asperge blanche, et vous mangez ça comme ça, froide.
Oh là là, c'est excellent. Oh là. C'est très très bon. En voilà une bonne idée. C'est justement la deuxième déclinaison proposée par Johan. Il va cuire ses oignons nouveaux comme des poireaux. Je les mets 5 minutes en eau bouillante. Pour la vinaigrette, on a besoin de 3 œufs mollets mixés auxquels on ajoute doucement de l'huile aromatisée. Et là, je rajoute du jus de citron. Les oignons blancs sont cuits, on peut rajouter la vinaigrette et un émincé d'ail, un émincé servant également à assaisonner un fromage de chèvre frais avec une pointe d'huile de noix. En résumé, pas de doute, c'est vraiment le printemps et nous sommes dans le sud-ouest. Et avant votre journal du temps, nous partons dans l'Aveyron et en ce vendredi, Météo à la carte joue la carte anti-gaspi. Julien et Nicolas, nos deux chefs du jour, cuisinent éco-responsables. Oui madame, dans leur marmite aujourd'hui, une selle d'agneau et des artichauts à la barigoule. Des produits locaux et de saison, Maëva de Froyenne s'est régalée sans rien jeter. Bonjour, moi c'est Julien. Bonjour, moi c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va vous présenter une recette d'agneau catalan avec ses artichauts. Aujourd'hui, Julien et Nicolas nous concoctent une recette printanière et anti-gaspi. Là, on va vraiment faire en sorte d'utiliser chaque partie à la fois et de l'agneau et de l'artichaut. Et on essaie vraiment de réduire nos déchets au minimum. Les deux jeunes chefs de Bélesta dans les Pyrénées-Orientales ont reçu l'étoile verte. Une toute récente distinction du fameux guide rouge récompensant les gastronomes éco-responsables. Julien commence par préparer la selle d'agneau. Donc, il enlève cette petite peau appelée le parchemin. Et dès la première étape, pas de gaspillage. Donc faire attention à pas trop enlever de chair pour garder quand même un peu de gras qui va venir nourrir la viande. On réserve bien les panoufles. Les panoufles, en gros, c'est la partie qui vient entourer un peu le bas du ventre, qui n'est pas très bonne à mâcher. Donc on va la garder pour faire la sauce. Donc en gros, il restera juste l'os. Et donc là, la partie selle d'agneau avec le petit filet, qu'on va bien garder. Donc là, la selle est parée. Deuxième étape, il taille la panoufle en petits morceaux, casse l'os et met le tout à rissoler dans une cocotte. Pendant que ce jus mijote, un peu de sel. C'est le moment de cuire la selle d'agneau. Moi, je conseille de la cuire côté gras d'abord et de l'arroser avec un petit peu de beurre. Un peu de thym et d'ail. Donc le thym, on l'a ramassé en venant ce matin sur la route, sur le bord de la route. Des petits gestes qui ont permis au chef d'obtenir cette fameuse étoile verte. Créée en 2020, elle récompense les actions durables dans la gastronomie. En 2022, 6 établissements ont reçu cette distinction. Moins de déchets, une cuisine de saison, de proximité. Autant d'initiatives que Julien et Nicolas ont mis en place au domaine. À proximité du restaurant, par exemple, un poulailler. Allez, à table. Pour éviter de jeter des déchets, c'est les poules qui les mangent et tout le monde se régale comme ça. De la cuisine au poulailler, en passant par la piscine, tout le domaine est ouvert depuis des années. Je pense que l'étoile verte, c'est un ensemble de petites choses qu'on a mis en place depuis le début. C'est une immense fierté, justement, parce que ça vient concrétiser tous ces petits gestes qu'on fait depuis 10 ans dans le domaine. Donc, on n'a pas vraiment l'impression de faire un effort particulier, parce que pour nous, travailler comme ça, c'est logique. Enfin, c'est respecter la nature, respecter les saisons. C'est notre logique du quotidien. La viande est prête. La panoufle, de son côté, a bien rissolé. Il y ajoute carottes, oignons, thym, ail et laisse mijoter quelques minutes avant d'arroser de vin blanc et d'un bouillon de volaille. Et là, on va réduire le vin à sec. Il n'y a plus de liquide. Vous entendez? Hop. Donc, on vient mouiller à hauteur et on laisse mijoter à peu près 30 minutes à feu très doux. Prochaine étape, les artichauts qui vont venir accompagner le tout. Mais avant, allons à moins de 3 km à vol d'oiseau de là, dans le jardin d'Aurélia. Elle est maraîchère. Bon alors, ils sont beaux les artichauts? Bah écoute, ça se passe pas mal, ouais. Ouais. Je viens de vous les cueillir. Là, ça fait 2 semaines qu'on en récolte et là, on en a pour un bon mois et demi encore.
C'est vraiment le produit qui, nous, les maraîchers, nous va bien, parce que là, on est dans une période creuse en termes de légumes. Fin des légumes d'hiver, début des légumes d'été. Donc ça nous va très bien, ouais. S'ils se fournissent chez Aurélia, c'est parce qu'elle travaille en symbiose avec les saisons. Ils sont bien fermes, bien frais, ils sont jolis comme ça. Dans le respect de la terre. Ici, ouais, on fait de l'agroécologie, on pratique ce qu'on appelle le maraîchage sol vivant. Donc le principe, c'est de donner à la terre tout ce qu'on lui prend de façon naturelle. Donc on essaye d'utiliser le moins d'engrais possible. Évidemment, tout est bio. On ne résume pas l'année à 4 saisons. Donc vraiment, on travaille le produit. Si ça dure 3 semaines, on ne le travaillera que 3 semaines. Et vraiment, on travaille en collaboration avec les producteurs. Et c'est vraiment eux qui nous dictent nos cartes, nous disant ce produit sera prêt dans 2 semaines. Notre façon de voir la cuisine, et ça a probablement très fortement aidé pour cette étoile verte. Ça passe évidemment par la manière de s'approvisionner. Retour en cuisine, Julien et Nicolas s'attaquent à une étape un peu fastidieuse. Donc là, on va tourner les artichauts, mais nous, on fait ça en équipe parce que ça prend un peu de temps. C'est une façon de le peler. Et ensuite, on va venir passer derrière une feuille et veut vraiment venir tourner l'artichaut pour dégager vraiment les feuilles qui sont fibreuses et garder vraiment le cœur de l'artichaut qui est le plus fin. Ces feuilles iront au poulailler, bien sûr. Un petit coup de cuillère à pomme parisienne pour enlever les quelques foins du cœur. Et il réserve les légumes dans un peu d'eau et du citron pour qu'ils restent bien blancs. Nicolas a prévu de préparer les artichauts en barigoule. Et on va venir récupérer nos artichauts. Pour les non-initiés, la barigoule en provençal est une recette paysanne très ancienne. Qu'on va mettre dans notre cocotte. Et là, on va récupérer donc du vinaigre blanc et du vin blanc. Et on va utiliser ça en fait pour déglacer le fond de la cocotte. Donc ça, c'est ce qui va nous apporter le côté un petit peu acidulé de l'artichaut en barigoule. La méthode la plus simple, c'est de prendre une petite pointe de couteau, de piquer. S'il n'y a pas de résistance, que le couteau rentre et sort, ils sont cuits. Quelques chips d'artichaut et il n'y a plus qu'à dresser. Donc voilà notre assiette de saison. Hop. Il est 13h45 précisément. Découvrons le temps de votre week-end prolongé, celui de la première semaine du mois de mai. 9 jours de prévision, c'est tout de suite dans votre journal du temps. Allez Laurent, piste, on commence par le temps du jour bien sûr. Oui, avec des températures qui, alors même si elles baissent un petit peu, elles restent élevées tout de même sur les régions de l'Est et la dégradation pluvio-orageuse semble inévitable. Elle se produit déjà, elle se produira cet après-midi sur certaines régions qu'on va détailler dans un instant. En attendant, la situation vue du satellite, la voici, avec les nuages. Le flux de sud-ouest toujours très important et cet air chaud qui se déplace progressivement vers les régions de l'Est avec des températures bien nettement supérieures aux normales de saison. Et puis les nuages qui remontent, ça bourgeonne, ça cumulifie, vous le voyez, sur cet axe dans un premier temps. Ça va se décaler progressivement avec des orages un petit peu plus forts en direction du Grand Est et sur certaines régions qu'on va détailler. Voici le temps pour cet après-midi. On va retrouver cette ambiance très nuageuse avec surtout en allant du Grand Est jusque vers le Massif Central et l'Auvergne particulièrement, des orages qui, dès le courant de l'après-midi, surtout en soirée, devraient prendre un caractère orageux. Donc, et surtout une activité qui sera assez intense, des précipitations sous forme de pluie, des averses soutenues, parfois des bourrasques de vent sous les averses. Et puis, la crainte de grêle localement aussi sur ces régions. Ailleurs, on aura un ciel très nuageux, de l'instabilité plus marquée sur les régions du quart nord-ouest, avec des averses qui, elles, seront fréquentes. Et puis à l'écart du système, vous le voyez, du littoral landais jusqu'aux côtes méditerranéennes et à la Corse, on va retrouver une météo qui sera bien ensoleillée, avec certes un léger voile nuageux, un voile de cirrus, quelques brumes côtières par manque de vent, notamment sur la Corse, mais une ambiance qui sera nettement plus sèche et plus agréable et moins menaçante en tout cas qu'ailleurs. Vérifions tout de suite le temps qu'il fait aujourd'hui chez vous. Et c'est Nicolas qui apporte sa contribution. Il est dans le Finistère, à la pointe du vent précisément, vous le voyez, avec un ciel qui est plutôt agréable pour le moment. Et cet après-midi, les averses qui devraient prendre la relève. La pointe du vent qui est juste là, on est vraiment sur l'extrême ouest du territoire, vraiment sur la pointe du Finistère, avec juste à côté de cette pointe du vent, la fameuse baie des Trépassés, malheureusement bien nommée. L'Arche de la Paix, je crois que c'était en 1925, où il y avait un naufrage assez important. Et donc, la baie tire son nom de la température de 16 degrés cet après-midi pour Nicolas. Merci. Les températures pour cet après-midi, les voici, avec des valeurs qui seront très contrastées. Les 16 degrés, ça se confirme sur le Finistère et sur bon nombre de communes de la Bretagne. 18 degrés à Rennes,
21 degrés encore à Paris, 23, c'est au-dessus des normales de saison pour l'agglomération strasbourgeoise. Et les valeurs les plus élevées, ce sera sur le Dauphiné ou encore la moyenne et basse vallée du Rhône avec 25-26 degrés attendus du côté d'Orange ou encore à Montélimar. Sur le bassin méditerranéen, entre 21 et 24 degrés, 22 à 23, ce sera sur la Corse. Voici la situation et le temps de votre week-end. La matinée de samedi, tout d'abord, avec cette perturbation qui va entrer par le nord-ouest, qui va couvrir le ciel avec des pluies qui seront faibles, mais qui concerneront l'ensemble de la région. Toujours un flux de sud qui apportera beaucoup de douceur et qui devrait alimenter cette instabilité. À l'avant, pas mal d'humidité, quelques ondées très localisées, pas mal d'humidité jusque vers le Val-de-Saône, voire le nord de l'agglomération lyonnaise. Et puis en allant de l'Orléanais jusqu'aux Pyrénées, à la Méditerranée et tout le flanc est, là on va retrouver une météo qui sera largement ensoleillée avec un temps très agréable. Va-t-il durer ce temps agréable sur les régions de l'Est? Voici l'évolution dans le courant de l'après-midi, des nuages qui seront un peu plus nombreux avec quelques ondées sur les reliefs de l'Est principalement, le Morvan, le Jura ou encore les Vosges, et en allant jusque vers le relief des Ardennes. Ciel plus chargé en allant, vous le voyez, de Sedan jusque La Rochelle, et puis sur le nord-ouest, là, on va retrouver ce temps qui sera extrêmement chargé. Et puis, à noter que du Limousin jusqu'aux Pyrénées, on aura des déclenchements orageux avec parfois de la grêle, du grésil, et cet axe devrait se développer plus au nord et couper carrément la France en deux dans le courant de la soirée de samedi, en allant du sud-ouest jusque vers le bassin parisien et en remontant vers la frontière avec la Belgique. On parle des températures maintenant pour demain matin, les voici, avec au réveil des valeurs qui vont s'échelonner de 8 à 15 degrés, ce sera très contrasté. La minimale, vous le voyez, ce sera aller pour le Val-de-Loire, le Nivernais ou encore la Champagne. Même température dans le Cantal, les 15 degrés pour l'agglomération niçoise, 12 pour la capitale, 13 à Rennes, tout comme à Bordeaux et Perpignan. Puis dans le courant de l'après-midi, au programme, des températures qui, elles, s'échelonneront entre 15 et 20 degrés sur les régions du quart nord-ouest, jusqu'à 21 degrés pour l'Île-de-France ou encore la Sologne. Les 20 degrés sera baissé, hein, vous le notez, du côté de Strasbourg, 3 degrés de moins. Et puis sur la moitié sud, température en baisse aussi pour Grenoble ou encore Montélimar. La maximale devrait être de 24 degrés autour de la Méditerranée. Notez que les températures auront baissé sur l'ensemble du territoire. L'évolution et la couleur du ciel pour la météo de dimanche. On va retrouver un ciel qui sera très chargé, vous le voyez, avec la perturbation sur le flanc est. Elle donnera de la pluie, de la neige à très haute altitude. Parfois aussi, cette instabilité se manifestera par quelques averses de grêle, de grésil à l'arrière des ondées de la frontière avec le Luxembourg et la Belgique en allant jusque vers le massif central et le massif du Mercantour. Et puis ensuite un dégradé nuageux. Alors les quelques éclaircies plutôt agréables, très agréables même, autour de la Méditerranée ou encore sur l'ouest, des plages du débarquement jusqu'au littoral aquitain, on va retrouver de belles éclaircies, mais ça va s'ennuager assez rapidement sur la pointe bretonne, les températures 20-22 degrés. Et Laurent, les évolutions donc pour le début de semaine prochaine? Les évolutions. Oui. Le temps pour la journée de lundi, une ambiance très nuageuse avec cette perturbation qui entrera par le nord-ouest. Flux de sud-ouest, 50-60 km à l'heure, des pluies qui seront régulières, une couverture nuageuse bien compacte, courtes éclaircies sur le reste de la moitié nord ainsi que le flanc est. Et puis ailleurs, ma foi, une météo qui sera certes voilée, mais en tout cas lumineuse et sèche sur la plupart des régions. Les températures, il y a très peu de changements, 20-23 degrés. L'évolution pour la journée de mardi, on va retrouver un ciel qui sera très encombré, vous le voyez, du sud de l'Alsace jusqu'à l'ensemble du massif des Alpes, le massif central et jusque vers la Nouvelle-Aquitaine, là, avec un ciel qui sera chargé, des pluies qui devraient arroser l'ensemble de ces régions. Elles seront régulières et à l'arrière, on va retrouver un ciel de traîne qui sera plus actif en allant du plateau lorrain jusque vers les côtes atlantiques et puis autour de la Méditerranée. À l'écart, un temps qui sera un peu plus nuageux, mais en tout cas une météo qui devrait être relativement sèche. Ce qui est à noter, c'est la baisse des températures pour les régions de la moitié nord, avec une moyenne de seulement 17 degrés. Milieu de semaine prochaine, le temps pour la journée de mercredi, l'instabilité sur l'ensemble du territoire, alors les averses à différents degrés, différentes intensités. On va retrouver donc cette menace d'averses sur la plupart des régions, elles seront sans doute un peu plus rares au sud, et toujours la frange méditerranéenne qui devrait bénéficier de plus belles apparitions du soleil. L'évolution pour la journée de jeudi, nous allons retrouver cette instabilité sur l'ensemble du pays. Alors, peut-être le début de l'amélioration, on va vous le dire dans un instant, mais près de la Manche et sur la façade atlantique, de plus belles éclaircies. Le Mistral et la Tramontane devraient se réveiller. Les températures, un peu basses pour la saison, 16-18 degrés. L'évolution pour la semaine prochaine, vendredi prochain, on va retrouver ces averses sur l'ensemble du territoire et puis de plus belles éclaircies. Finalement, une belle journée attendue sur les régions du quart nord-ouest. Les températures sans excès et puis à 8 et 9 jours, ouais. L'évolution pour la journée de samedi, on va retrouver une nouvelle perturbation qui entrera par l'ouest dans le flux d'ouest, vous le voyez, et puis ailleurs des averses et quelques franges où là le ciel sera plutôt agréable avec de belles éclaircies. Puis pour la journée de dimanche, nous allons retrouver cette fois-ci l'instabilité principalement en allant du flanc est jusque vers le bassin d'Arcachon avec des averses et un ciel assez chargé de part et d'autre.
Eh bien, les éclaircies devraient faire le retour. Les températures, 18-22 degrés. L'éphéméride, nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 mai. Nous allons gagner 3 minutes de durée d'ensoleillement et nous fêtons les Judith. Et puis ce soir, sur France 3, ne manquez surtout pas le grand concours des régions. 300 danseurs qui défendront les danses folkloriques de nos régions. Allez, quant à nous, on vous attend lundi en direct. Vous retrouverez Marine dès 12h55. Ah, bonne journée à tous, excellent week-end. À lundi. À lundi.